Bonjour, bonjour tout mes loves, comment nous y est? Moi souhaite que nous en forme, moi souhaite que nous en bonne santé. Et puis m'a dit bienvenue, bienvenue avec tout nouveau subscriber, yo, bienvenue. Nous content de gagner nous sur channel là. Je dis à montrer nous comment pour nous faire un gâteau avec molasse. Molasse sans son sorte de sirop qui est le molasse, but marron. But son sirop dit, ok? So, c'est un gâteau qui tellement goût avec raisin. So, un gâteau avec raisin. Raisin. Sèche. So, avant montrer nous l'autre processus, bon montrer nos raisins avant. So, pour on a besoin de 2 tasses raisins sèches. Et puis on va mettre en de l'eau bouillie, on va mettre raisins au bouilli dans de l'eau. Pour 10 minutes comme ça. So, l'eau vient noyer au mou comme ça et puis on va retirer dans de l'eau, on va couler raisins, mettre au de côté. Et pour pas commencer procès pour préparer gâteau. Là, j'ai déjà 2 tasses de farine moi qui dans tasse là. M'a mettre dans passoire pour me capable tamiser, ça c'est technique m'utiliser qui fait gâteau paraît plus léger. Et puis là ça m'a ajouter un petit qui est poudre d'élévation, même parce que mieux une farine qui déjà élevée, ça met un petit qui est poudre d'élévation pour que l'on ca bien élevé. Après ça, on va ajouter un pincée de sel là-dedans, mais comme farine m'utilise a déjà un sel, on pas ajouter. Et puis beurre m'a mettre là-dedans son beurre qui pas un sel. So pour farine non, on a bien un petit qui est pour d'élévation des tasses farine, un petit qui est cannelle et un petit qui est muscade. Et puis on va mettre un petit qui est girofle. Parce que moi-même, je savais que je vais manger quelque chose de goût ici. Il y a un petit cuillère de girofle. Et puis, il y a un petit cuillère de gingembre. Ça, c'est un autre épice qui est le cumin. Mettez un petit cuillère de cumin. Quand je vais passer, je vais mettre de côté. Et puis, je vais commencer à préparer les ingrédients qui sont mouillés avant de mêler ensemble. Ça c'est un morceau cannelle avec muscade qui n'a farine m'a passé 2 fois pour capable plus fin toujours. Et puis là m'a mettre de côté. On va commencer avec ingrédients mouillés. Pour ingrédients mouillés, j'ai déjà gagné une cuillère zeste de citron, m'a ajouté demi tasse beurre. Dans demi tasse beurre, on va l'ajouter. Ça veut dire 8 cuillères beurre au fond dans ma microwave la bord yon steak. Yon ti baton bè. 8 ki e bè égal yon ti baton bè. So va mette la. Et puis m'va l'ajouter 2 œufs. La dan. Oups. It happens. Avant bat yo ensemble. On va ajouter un petit jus de citron dans le milieu. Comme ça. À cause de raisin, déjà douce. Et puis, molasse déjà douce. So, on n'a pas besoin d'ajouter sucre. Là, mettez ensemble et puis on va le battre. Oh, il sent si bon. Vraiment, il sent si bon. Il est beaucoup même jeune à cannelle avec essence. Waouh! Ok, là, je vais battre tout élément.
Voilà, mixer tout élément mouillé ensemble avant d'ajouter la farine pour éviter les oreilles nous bui. La petite pause. Là, élément mouillé au fin en bien mixé, ça m'a pas ajouté. Ainsi qui est essence vanille. Je m'a ajouté à volonté parce que moi mets un peu l'essence. Yon ti ki ay sans zaman. Un bon petit coup. Et puis, on lot vanille encore. One more. Après ça, m'a pas ajouté raisin ou la dan. On fin ajouté raisin. M'a mixé. Mixé. Le ballon petit volume. Ah, on m'a pas ajouté mixture là. Tout les dans farine là un seul coup. And if you have sous table de bruit dans background, non pardonnez jodi hein. C'est bon bonjour. Bon. Fanatiquement vraiment important pour moi, faut me satisfaire. Ok, lovies. Là, on va mixer ensemble. Four déjà chauffé sous 365 degrés. Pour me capable en fou négatoire. Ok, on continue. Brasser. Et puis, comme ça, on te gagne temps préparer le plateau. On va ajouter dans le plateau. On mettre dans le four. Non, plateau. On va mettre dans n'importe plateau. On carré, rectangle, triangle, trapèze, heart. Ça fait quoi, please? Mais la contingent est épais. Pendant l'épais, comme ça, qu'on a au même mois pour ouvrir. Pour faire sûr que bien chita dans le plateau. On va ajouter le reste là. Vous voyez comment ça belle? Odeur à même, c'est pas parler. Goût à même, c'est chef kiss. Chef kiss. Tellement ça bon. Parce que moi-même, toujours, même le dos à consommer, toujours goûter d'eau. So, et même avant qu'elle cuite, je connais qui goût li gen. Ça va nan ma plonge nan plateau. Fèl even. Okay, let me move the paper a little. There you go. Je spray li avec spray. Ou bien on capable passer beurre dans plateau et puis saupoudrer avec farine. Ça sont anciennes techniques, mais connait. Vin gen beurre qui vient à toute farine dans la bouteille ou juste pour spray en plateau, on va même besoin pour temps à saupoudrer passer beurre bla bla bla. Je vais faire un petit jambi facile pour mon cabec. So, voilà. Et puis on va mettre dans four pour oh, let's say 30 à 35 minutes. Ou bien l'aime tester. Oh, this is so good. Voilà. My cake is done and I'm very happy with the result. So là, ou ka mette yon yogurt sou li. Ou bien, ou ka mette on cake icing. Là, m'gen yon chocolate mousse. M'jis pa mette chocolate mousse la sou li. And that's about it. Et puis, il est toujours chaud, ça fait la prendre comme ça. The case is hot. You see, it's running. Le glace et un gâteau tout chaud, c'est ça le fait. Glaçage là, il melt. Il fait le fond. So, this is what happened. And I'm gonna taste it. And I would like to say merci à tout le monde qui était prêt à regarder la vidéo. Avant de dire goodbye, let's taste it.
Let's stop slamming doors. What a hat. Oh, look at this. Just pure yumminess. Ouais, c'est mon sauce raisin. Oh, les sens, c'est bon. Mm. This is so good. Une fois de plus, pour une autre recette, ça va bientôt. Bye bye.